Et c'est là que j'ai compris que le miel, en fait, c'était de la cire d'oreille premium. Hey, tu m'écoutes? J'essaie juste de t'éclairer un peu dans cette caverne qu'est le monde. De toute façon, c'est pas compliqué en ce moment, t'en as que pour Brigitte. Ah, l'amour. Ça va? Laisse-moi. Laisse-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Brigitte m'a quitté. Tiens, tiens. Quoi? Bah, t'es pas au courant? Quoi? L'amour n'existe pas de toute manière. Quel sinistre. Non, mais tu ne comprends pas. L'amour n'existe plus. Plus du tout. J'ai mon pote, Bruno. Il travaille à la police des frontières. Il m'a fait passer des cassettes russes clandestines. Tu devrais les regarder. В попытке компенсировать недостаточную продуктивность населения, российское правительство решило устранить все виды отвлекающих факторов. Начиная с врага общества номер один – любви. Для этого при содействии крупнейших фармацевтических предприятий страны были введены в различные виды продуктов питания молекулы, способные снижать уровень серотонина и адреналина в организме человека. В результате в последние уже несколько дней можно наблюдать, как люди внезапно плачут, без особых. Dis, tu savais que les oiseaux nous espionnent? Comment ça? Tu trouves pas ça bizarre leur présence? C'est des animaux comme les autres, non? C'est là que tu te trompes. Prends le temps et analyse leurs mouvements de cou. Ils sont si mécaniques. Regarde. C'est des putains de robots. Ils ont deux missions. Nous chier dessus à la moindre occasion et transmettre des informations aux aliens. Elle est pas vraiment morte. Mais non. Elle a juste pris sa retraite. Elle avait l'âge, hein. Non, elle est repartie retrouver son mari, le prince Philippe, sur le Britannia. C'est juste une réplique qui est au port d'Édimbourg. Ouais. Ils sont partis tous les deux dessus. Là, apparemment, ils sont dans les Caraïbes. À leur âge, la chaleur, c'est bon, hein, avec tout le rhumatisme qu'ils ont. Mais du coup, c'est un clone. Qui? Non, je sais pas en fait. Ah non. Pas besoin de clown là pour le moment. Elle dormait juste pendant la cérémonie.
Mais par contre, devine qui fait l'animation à bord. Non, je sais pas. Ah, si, devine. Ça va être marrant. Je sais pas, non. Attends, dans les Jamaïques, c'était Bob Marley. Oh non, le pauvre. Lui, par contre, c'était vrai. Il est vraiment mort de tumeur. Oh merde. Ah, je pensais. Non, devine, c'est marrant. Non. Si. Bah non. Ah, si. Mais lui, il est mort. Que tu penses, il avait des problèmes au cul. Alors, avec les francs-maçons, ils l'ont aidé. Hein. Avec les Illuminati, tout ça. C'est pas la même chose. Non, non. C'est deux branches opposées. Ah ouais. Un peu comme la gauche et la droite. Pour t'expliquer. C'est très politique, en fait. Ah oh, oui, oui. Même chez les complotistes. Il y a toute tendance. Mais du coup... Ah. Bah du coup, il y a quelqu'un. Oui. Bah vas-y. Non mais je viens de croiser un alien qui twerk dans le métro. Les gens n'ont plus de respect. T'es aussi illuminé que Toto, toi. Rigolez, rigolez. J'ai élargi l'esprit de Gaston à propos de l'amour. Il y croyait encore, ce con. Mais n'est con que celui qui contribue au conspirationnisme des comportements humains les plus affligeants. Apprenez-moi votre savoir, maître. Déjà, commence par ne pas croire à tout ce que te raconte Toto. Règle numéro 1. Une révélation n'amène pas forcément une autre. Il peut être tentant de succomber à cette réaction en chaîne, mais tente de rester lucide. Règle numéro 2. Choisis ta quête. J'ai trouvé ma quête. Je vais redonner vie à l'amour.